lose no engage, there is no obligation, you can just make your biggest smile, be nice, enjoy the cruise, enjoy. Et c'est bien sûr à l'intérieur de ce musée que vous pourrez voir des œuvres telles que la Joconde. At the beginning, it was the Orsay's train station, built for the Palais de la Légion d'honneur, always on the left, distinguishable for its green cupola. It is the Legion of Honor Palace. La Légion d'honneur, qui est la plus haute distinction française créée par Napoléon Ier en 1804. De Paris, qui est le pont Alexandre III. Facing you now, the nicest bridge of Paris, the Alexander the Third Bridge. Il fut construit pour l'exposition universelle de 1900 en la présence du président français de l'époque Félix Faure, de l'impératrice de Russie et de Nicolas II pour the warfare of 1900 with the former French president Félix Faure, the Empress of Russia and Nicolas II. Centre recouvert de feuilles d'or, vous pourrez voir les arbres. And its center covered with gold. And the first. C'est le moment que vous attendez. Oh, les noms de grands scientifiques célèbres. I advise you to look because they find it ugly. Mais depuis la mort tragique de la princesse Diana dans le tunnel de l'Alma juste à côté de la flamme, beaucoup de personnes pensent que c'est un mémorial qui lui est. Et maintenant, nous nous rapprochons sur la droite des jardins flottants de l'île de Paris. Now on the right, je vous recommande ce petit jardin. I advise you to visit the. Back to the Orsay's Museum, you may see the little train. The vent, les grandes villes de l'Ouest français, Nantes, that it threatened to collapse because there is more than 54 tons of padlocks on it. Et il mène à l'Institut, distinguishable for its grey and gold cupola, l'Institut français qui est composé de 5 académies, dont la plus célèbre qui est l'Académie française, composée elle de 40 académies, is composed by 40 members called the Immortals, which have to revise and produce the French. Les premiers habitants appelés les Parisiens s'installèrent ici, au 3e siècle avant Jésus-Christ, et